Bonsoir à tous, et bienvenue dans les archives interdites. Vous vous souvenez bien entendu tous de Resident Evil 3 sur la première PlayStation. On y incarnait Jill Valentine, poursuivi par le terrible Nemesis. Alors que diriez-vous d'être le Nemesis? Monstre quasi invincible, avec pour seule mission d'éliminer les Stars de Raccoon City. Ce mode est créé par Komitsu, créateur du mode Origin of Species de Resident Evil 2 et le très difficile Lord of the Necropolis de Resident Evil 3. Lien des vidéos en description. Préparez-vous donc à être le monstre à la recherche de Jill Valentine dans les sombres rues de Raccoon City. Donc je vous invite à prendre place et que le cauchemar commence. Ça commence pareil. J'arrive. Attends. Merde, je m'en fous de ça. Je peux pas mettre un coup de lance-roquette. Je peux pas mettre des patates de forain. C'est vraiment, je peux mettre des patates, j'avais vu. Voilà. Bon, ça va, y a pas besoin. Oh putain, j'ai vraiment du mal avec les... me remettre dans les touches. Voilà, si je fais ça du coup. J'arrive, Jill. Ah bah du coup, y a quoi là-bas? Oh merde, on peut pas savoir. Get away! J'arrive. Stars. Putain, reviens là. Merde. Mais... Oh! Je m'en fous toi, dégage! Oh, je peux faire des petites esquives comme ça et tout! Dégage là, putain! Bon, y a pas de loot, je suppose... Oh! Oh, ok. Pas trop ce que je vais foutre avec des balles de flingue, mais bon. Je vais peut-être pas mettre une droite dedans. Oh, mais putain, je me gourre à chaque fois de touche. Putain, mais je sais quelle touche pour mettre là. Putain, je l'ai défoncé. Ok, d'accord, je peux mettre... D'accord, c'est droite comme ça. Je l'ai défoncé sa gueule. Elle n'est pas là. La Megaman. Ok, petit bonus. Bon, on va save, hein. Oui, je sauvegarde. J'ai accès au coffre et tout quand même. Pour ça, je pense que j'en ai plus besoin. Péter la gueule à tout le monde.
Séparez-vous de mon chemin. Bonjour. Genre le zombie, il attaque le il mord le Némésis. Casse-toi. Oh, je peux faire des esquives comme ça et tout. Stylé. Bon, y a pas d'objet de toute façon. Pas besoin d'objet, je suis Némésis. Oh putain, la visée des fois c'est la merde hein. Dégage, dégage. J'ai chopé Brad Vickers. Casse-toi de mon chemin. Dégage de là. Je peux mourir en tant que Némésis. Petite poupée de Megaman. Trop bien. Dégage de là toi. Putain. C'est trippant de jouer Némésis. Oh putain. Oh eh, c'est un truc de ouf hein. La touche entre ça j'encaisse. Donc je suis Némésis. Pourquoi les zombies m'attaquent? Putain. Ouais là je joue en mode par contre je joue en mode arrangé. Parce que sinon en mode normal c'est genre je peux avoir les utiliser les armes à feu et tout. C'est un peu ridicule quoi. Ah, je suis là gros. J'arrive. Ah, je voulais juste voir s'il n'y avait pas une petite figurine. J'arrive. Tu n'échapperas pas, ton destin est déjà scellé. Ah, c'est pas moi qui vais le tuer. Un salope, reviens ici. Putain, j'esquive. Tu vas mourir, Jill. Putain, j'esquive bien la pute. Putain. Tiens, je vais te tuer. Tu ne m'échapperas pas. On arrête d'esquive. Putain. Je m'en doutais qu'elle allait esquiver mais bon putain j'ai encore full life, j'encaisse. Putain. Tu es sérieuse meuf? Tiens. J'ai pas d'autre coup. Dégage. Allez, j'en profite que tu recherches pour te défoncer. Alors elle va essayer de se soigner. Putain.
putain. Ce style est... C'est fermé de l'intérieur, comment vais-je faire? Faut que je trouve un autre chemin. Eh ouais meuf, je suis toujours là. Mais putain! Crève, Marvin. Dégage là, toi. Oh putain, du monde. Oh, cassez-vous, les zombards. Y'a rien de ce côté. Putain, bah, elle passait par où, hein? C'est pas Resident Evil de remake. Y'a pas d'autre chemin, normalement, par où elle s'est sauvée. Hein. Ah, ouais, c'était peut-être suivi Marvin, en fait. Ça va, en fait je suis intuable quoi, je suis toujours en état nickel. En même temps je suis Némésis quoi. Dégage toi. Ah oh, putain. Je sais pas vraiment s'il y a des trucs à fouiller ici. Hein. Putain, j'arrive. Mais le cadavre qui me gêne là, c'est une blague. Putain, la salope. Oh, c'est quoi ce cheat, la meuf elle... Putain, comment je vais faire? Mais nique ta mère le cadavre! Je suis obligé de me barrer, hein, du coup, je peux pas la tuer, hein. Et chier, c'est quoi ce délire, là? J'ai pas autre chose à faire. Oh! Casse-toi, merde! Oh putain, hey, jusqu'à la fin, ça va me casser les couilles, ça. Et je suis vraiment invincible en fait. Peu de chien, lol. Pas photo de Rebecca en petite tenue là ici. Ah. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Oh, petite figurine de Mega Man. Oh, c'est marrant qu'il y ait des petits trucs à fouiller comme ça. Putain. Casse-toi, toi. Mais c'était con que je pouvais pas la voir quoi, quand elle était contre le mur là. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas des choses à fouiller, on ne sait jamais. Le gros lui perdu lui. Alors là j'ai chopé quand même un petit Marvin. Va vite, hein, Jay, là. Putain, elle a déjà tué tous les insectes. Ah.
Casse-toi! Ok. Pas de temps à perdre avec des clips. Peut-être une figurine de Mega Man. Non. Casse-toi, putain! Regarder, on ne sait jamais. Parce que deux roquettes, faut que j'arrête de claquer mes roquettes. Ah, moi je vais la rencontrer là bientôt, Jill. C'est passé par là. Elle a activé l'ascenseur? Non, pas encore. Ah. La cuisine, la cuisine. Je passe par là, moi je m'en bats les couilles. Putain de merde. Oh, je suis pas bien là. Oh. Tu Némésis, ce sent pas bien. Je peux toujours courir vite, mais j'ai un peu du mal quand même. Je prends mon temps pour fouiller quand même, hein. Alors s'il y a des petites subtilités. Non. N'empêche, je gille là, le speedrun le jeu, hein, putain. Elle va me buter là. Je suis pas mort, salope. Bah ouais, mais what? C'est sérieux là? J'aurais peut-être pas dû passer par. Ah, j'aurais peut-être pas dû passer par là, hein. Par la cuisine? Putain de merde. J'ai peut-être pris trop de dégâts. Bah non. Ah non, je suis passé de. Dans bon état à danger direct. Si je passe de l'autre côté de la cuisine. J'arrive. Et ouais, je suis là cette fois. Oh, venez, mon enculé. Ok, du coup je me suis pas fait exploser. Faut faire attention à ce que je fasse alors. Tu ne mourras pas si facilement cette fois. Oh, viens ici petite fille. Oh, je commence à... Je commence à prendre la sauce, hein. Y a pas du soin là, un truc comme ça. Puis Némésis ne peut pas se soigner. Ouais, je m'en branle les rubans encreurs. Mon petit Némésis commence un peu à avoir mal là.
Je suis pas si invincible que ça. Non, si je vais là-bas, elle va m'exploser la gueule, logiquement. Me faire exploser la gueule avec le truc, là, ça sera terminé. En même temps, j'ai pas le choix. Ah non, je vais devoir me faire dérouiller la gueule une fois de plus. Content. Ok. Stars. Y a rien ici. Non. Faut me barrer par la fenêtre, non. Quand je me faisais bord par les zombies, en fait... je sais pas si les morsures de zombies faisaient des dégâts, mais les balles de flingue de Jill, en tout cas, oui. Après, ça devrait pas pouvoir me tuer, normalement. Est-ce qu'il est parti à la station essence ou pas? Checks. Mais c'est pas content. So Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. A besoin de son aide. Parce que nous trois. Mikhail est en mauvais état. On s'en sortira pas. On n'arrivera pas à bout de cette mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly. Oh, je m'en fous, on connaît. Hein. On va laisser la cinématique, on s'en bat les couilles. Hein. Je veux juste tuer Jill. Oh putain. Elle s'est équipée. Salope. Les zombies, par contre, là, cette fois, je vais faire gaffe. Oh putain, mon Nemesis, j'ai un peu du mal. Et un peu en mode, je suis fatigué. Faire attention quand même. C'est les Némésis fatigués. Elle est partie par où du coup? Je m'en rappelle même plus. Ah bah si, ouais, je suis con, bah oui. Par là. Par contre, on aurait pu tuer les insectes sur la route. Hein. Non, quoi que non, c'est les insectes plus évolués donc. Ah non, elle a pas activé. Merde alors. Ah bah ouais, je suis con. Ouais, si c'est vrai, faut que je passe par là. Je vais sauvegarder. Il me fait délirer comment il avance Nemesis en mode oh, je me sens pas trop bien. Bah les couilles des corbeaux. Oh,
Si les insectes ne m'attaquent pas, qu'il en soit ainsi. J'ai pas le temps pour ces conneries. Oh non. Et si. J'ai pas prévu ça. Bon. Heureusement que j'ai encore du lance-roquettes en vrai, hein. Sinon je pense que je sais pas comment j'aurais fait, hein. Ok, d'accord. J'avance prudemment. Oh non, mais c'est une blague. Cette fois, ça va chier. Ça fait marrer comment j'avance là et d'un coup... Oh, je suis fatigué. Oh. Non mais c'est mort cette fois, meuf. Ok, je peux même pas la viser, elle. Je peux viser ça, mais ça va me tuer. Et ouais, meuf. Oh, salope. Oh là là. J'ai pas envie de devoir tout recommencer. Attends, Jill, je reviens, je vais sauvegarder parce que... Oh, oh non, elle me tire dessus déjà. Oh, ouais, c'est impossible, je vais devoir tout recommencer. Putain, sa mère. Ah. Un first aid. Ah, intéressant. Bien fait de revenir fouiller ici, tiens. Oh putain. Ah, ici, je vais revenir là. Hop, je vais repasser par le bar. Bon, pour l'instant, je me suis pas fait toucher, hein. Je reviens. Déco, j'ai avancé plus. Oh non. Ici. Faut quand même que je fasse gaffe à ces putains de coups de fusil parce qu'ils ont l'air de faire terriblement mal. Ah, salope. Dégage. Oh putain. Oh, mais arrête de bouger. Je t'ai fait mal là, non? Tu vas mourir. En vrai, je peux pas la tuer. C'est sous mes yeux, quoi. En mode normal. Ça va tranquille, quoi, non? Tu veux pas que je t'aide? En fait, faut vraiment pas que j'essaie de lui mettre deux droites d'affilée. Qu'est-ce que tu fais, Jill? Oh, et voilà, je vais me prendre la balle de... Putain! Allez, casse-toi! Cher, non? Moi, je sais même pas. Merde.
Ah, peut-être tu crois qu'il y a un petit survivant à l'intérieur à tuer. Oh là là là. Ah bah c'est vrai, elle a peut-être eu la manivelle là. Oh ouais, oh, sérieuse ou quoi? Arrête de fuir, petite fille. Putain, elle abuse, quoi. Attends, nous, quand on joue, on fait pareil, hein, en tant que Jill. Oh. Parce que je lui arrache quand je fais ça, mais bon. Oh, putain. Putain, mais... Je peux esquiver, mais je vois pas ce que je peux esquiver en fait. Hein. Oh là là! On dirait que t'as dû recharger ton arme, Jill. Dommage pour toi. J'ai pas envie d'essayer de lui mettre une roquette, mais je sais très bien qu'elle va l'esquiver. Non, mais c'est une blague, quoi. La meuf, elle a même pas bougé. Tiens, mange. Mais arrête de te soigner. On dirait que tu n'as plus de munitions de pistolet, Jill, hein. Oh, je commence à pas être bien. Jill, faut mourir au bout d'un moment. Allez. T'as mal en caisse! Oh putain! Ah, oh, c'est abusé! Ça, je suis encore bien, mais putain, je reprends dans la gueule, hein! C'est dur, hein! Dégage-toi. Merde, c'est pas la bonne porte que j'ai pris. Oh, ah, elle a pris la porte du bar, ouais. Oh, vas-y, bouge de là, toi. Pas ouvert ici. Ah. On n'a jamais vu cet endroit aussi défoncé. Putain, de Hunter, quoi. Hunter a quand même essayé de me décapiter, hein, cet enculé, je l'ai vu, hein. Mais ici, regardez, je vais pas me regarder si dans le bar il n'y a pas des objets, mais. Elle est pas là, cette salope, hein. Fais le tour. Tu retournes là-bas, hein, je pense. Hein. Merde. Faut que je revienne ici quand même. Apparemment, si, s'il y a des ennemis là, c'est que... Ah non.
Oh, cassez-vous les gros. Dégage, putain, casse-toi. Culé, reste à terre. Je save. Mec à l'intérieur, je l'ai tué. J'aurais peut-être pas dû le tuer tout de suite, hein, lui. Hein. J'aurais dû le tuer pour le garder pour maintenant, par exemple. Je l'ai tué trop tôt. Par contre, Jill, putain. Je sais pas où elle s'est planquée, mais elle s'est bien planquée, hein. Oh putain, mais casse-toi, toi! J'ai pas le temps de jouer avec vous. Il essaie de me décapiter, on dirait, hein. Est parti par là, c'est sûr. Est-ce combien de sauvegardes? 4. Bon, genre, j'en refais une au cas où. Ah, peut-être qu'elle a pris l'ascenseur là. Bah, de toute façon, ça a pris dans tous les cas donc. Des patates. Je suis sûr qu'elle a pris l'ascenseur. Non? Oh, non, même pas. J'espère que c'est bien par là, parce que là, sinon je suis en train de faire cette route pour R. Vu que les zombies ont respawn, en général c'est bon signe. Yes. Pas le temps de jouer avec les chiens-chiens. Oh non mais gros. Ah, petite figurine de Mega Man. Alors Mihail. Des balles de pompe. Ah ok, je sais pas trop ce que je vais foutre avec ça mais bon. Peut-être les combiner avec mon... Non. Je peux pas le tuer lui. Non, rien à foutre. Je passe à côté. Mais sérieux? Sérieusement là? J'ai rien à faire ici? Bon bah je me casse. Hein. Que j'aille à la station service. Ah non, même pas.
Merde, elle est où cette conne? Retourner à l'hôpital. Ça va bien, parce que putain, je suis en train de... T'en meurs, toi. Ah, je peux aller dans l'hôpital. Oh lol. Voilà, ton souhait est exaucé. Ouh, ça m'a fait régène du coup. Ouf. Un deuxième spray, motherfucker, ça c'est le bon plan. Ok. Stars. J'arrive, Jill. Putain, mais elle est pas là, quoi. Normalement, c'est bon, elle a ce qu'il faut pour... le tram. Ah non, ou la batterie, peut-être. Ah, allez, parti. Allié, c'est bon. Par contre, faut que je fasse gaffe par où je passe. Je vais me faire électrocuter. Là. Faut pas que je passe par la barrière là. Oh, mais sérieux, lui? Ah, fait chier. Pas de traces de Jill. Je check les armoires au cas où elles soient cachées à l'intérieur. Petit Megaman qui me cible. Ok, bon, c'était juste pour un petit Megaman. Bon allez là. Direction le tramway quand même, non? Oh, les animaux morts là. Jill! What's wrong? They're coming! They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Ah, ça sur ça, ça va péter de toute façon là. No way! That monster just doesn't give up. Carlos, tu vas mourir. Il n'échappera pas à l'inéluctable. Wouah, vas-y, lance-roquette, c'est de la merde.
Ah, j'essaye à chaque fois de mettre la deuxième droite et du coup je me prends des coups. Donc ça ressemble à ça quand on ouvre le menu et qu'on se soigne avec des herbes. De courir vers Mena. On a dû faire qu'on puisse les choper, tu vois. Il est temps de mourir, Carlos. Censé. Ouf putain. Ouf putain, j'arrive. J'arrive, j'ai. C'est quand même long, putain, le mode là. On peut descendre ou pas? Oui. Peut-être un petit survivant perdu. Ah, c'est la fille que j'avais sauvée au début. Crève. Ah, parce que là, je l'ai sauvée sur cette partie là. Hein. Ah, en fait, j'ai tué le zombie et elle s'est sauvée donc. Tu vas faire, Jill. Get out of the cable car now. Mihail, wait, don't. Get out of here. Hurry. Cette cinématique là, on la laisse, toi. Parce que je suis le putain de Nemesis. Reviens, je régène 200 PV. Oh. Oh, stylé. Oh, c'est classe. Oh, c'est vraiment classe. Oh, y a un truc qui brille, là. Qu'est-ce que c'est? Les dire Nemesis aime les choses qui brillent. Bon, les balles de pompe, on s'en branle. Par contre, j'avais deux sprays, hein, avant d'enculer un, et mon nom. Je fais carotte un spray, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, je suis hors de roquette. Déjà? Ah, putain! Y'a pas la séquence où je l'attaque en haut? Ouais, enfin bon, le temps. Down here.
It's finally over. Ah, il me restait deux roquettes. Quand on tombe dans ce roquet, il va me péter, il va servir à rien. Il va me péter à la tronche, de toute façon. Ouais, du coup, là, je vais être en seconde forme. Parfois vraiment en seconde forme, en première forme un peu plus vénère. Putain, par contre le magnum... Putain, putain. Oh, j'encaisse. Elle va devoir recharger, Jill. C'est dommage. Oh, putain. 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 Oh, je suis toujours en bonne forme. Putain. Je commence à être un peu pas bien. Oh, je... Ok, d'accord. Faut vraiment que je fasse... Oh, je suis mort. Putain, faut vraiment que je... En fait, non... Le spray, il sert à rien, donc c'est super. Je n'ai pas besoin de l'utiliser maintenant. Bon, j'étais juste à deux pèves. Donc ça fait chier, putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais putain! Oh, elle est pas bien, là. Où vas-tu, Jill? Ah ouais, j'ai gagné! J'ai gagné! Maintenant c'est à ton tour de mourir aussi. Ok, j'ai pas le droit. Ah, qu'est-ce que je fais? Ma mission est terminée. Je m'en vais. Ok. J'ai gagné. J'aurais cru que ça aurait été jusqu'à la, vraiment la fin, mais bon.
Moi, ça fait un petit dénouement tragique. Je peux pas jouer là? Non. Un Nemesis comme ça qui est en mode nostalgique. En tout cas, c'était vraiment classe comme mode. Hein. En plus, quand même assez long, quand même pas mal compliqué. Après, quand t'as compris comment baiser le jeu, ça c'est beaucoup plus facile. Mais franchement, super sympa. J'aurais cru que ça aurait été vraiment jusqu'à la fin, mais bon. C'est déjà pas mal que ça a été jusque là. Donc vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors s'il va y avoir un petit truc après. Chulipusta. C'est des petits modes comme ça originaux que j'aime vraiment beaucoup. Sans toute la tristesse de Nemesis qui a enfin terminé son œuvre. Qui va mourir atomisé quand même par le missile à la fin. Non, je peux rien faire. Fin. Y a pas un petit truc de stat à la fin? Et non, donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir visualisé jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager, et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des Archives Interdites, si vous survivez jusque-là.